to get you for doing anything. The only way they make they don't give the medicine. The only way they make they don't give the medicine. إخواني أخواتي الأعزاء صباح الخير. الآن يسرني أن أرحب للمرة الثانية مع الأخ بالأخ مكسا. أهلا وسهلا. Bonjour à toute l'équipe de Mosaïk. أطلب منكم العفو لأنني سأتحدث معه باللغة الفرنسية. مكسا, tu viens à Mosaïk pour la deuxième fois. Et la première fois, il y a longtemps, tu étais parmi les premiers chanteurs qui sont passés dans cette émission. Alors, depuis? Grâce à cette émission, j'ai pu décrocher beaucoup de contrats en France. Je suis parti en tournée à travers pas mal de villes de France. Et puis, ça m'a permis d'enregistrer mon deuxième temps en trois tours. Mosaïk, t'as porté chance et ça fait plaisir. Dis-moi, comment est-ce que tu te situes dans ce mouvement de la jeune génération de la chanson nord-africaine? Pour dire les choses, pour appeler les choses par leur nom, tu es un chanteur engagé. Comment est-ce qu'on devient un chanteur engagé? Commence bien sûr par être révolté par beaucoup de choses pour devenir un chanteur engagé. C'est justement mon cas, j'ai été révolté par beaucoup de choses. Et j'ai choisi ce style, bien sûr, dans le but d'évoluer la chanson berbère et de la faire connaître un peu dans le monde. Donc tu n'es pas seulement un chanteur, tu ne chantes pas seulement des chansons à l'eau de rose, mais tu es aussi un homme qui vit dans un monde parmi un peuple. Oui, c'est ça. Très bien. Ben, j'espère que tu prépares un nouveau 33 tours. Oui, actuellement, je suis en train de préparer un troisième 33 tours que j'enregistrerai bientôt, espérons. Zelguma
La première chanson de Meksa s'appelle Massinissa. Bien sûr, elle évoque le légendaire roi numide Massinissa qui, comme Jugurtha et Hannibal, se sont opposés à la colonisation et à la pénétration romaine. La deuxième chanson que nous venons d'entendre s'appelle Zelgoum. C'est un conte qu'on raconte pendant les veillées d'hiver, quand le Djurdjura est couvert de neige. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a décidé de partir. Donc c'est une chanson de circonstance puisque l'émission est sur les femmes. C'est une jeune fille qui a décidé donc de partir parce qu'on a voulu la marier de force. Celle qu'on va entendre maintenant, la troisième, Fegraoura. Fegraoura en kabyle ça veut dire révolution. Et bien sûr, c'est une chanson qui est dédiée à tous les hommes et à toutes les femmes, à tous les peuples qui luttent pour leur liberté et pour leur dignité d'homme et de femme, bien sûr.